هذا الورش العظيم هو اولا جلسه العمل ديال 22 نوفمبر 2022 اللي كانت راسها صاحب الجلاله الله ينصره وعطى التوجيهات ديالو الساميه باولا تسريع وتسريع وتسريع تسريع وتيره الاستثمار في الطاقات المتجدده، تسريع الاستثمارات في البنيه التحتيه اللي محتاجه الطاقات المتجدده، وايضا تقليص كلفه الطاقه. L'objectif de l'offre Maroc, justement, c'est de mettre en place un cadre institutionnel, législatif, cohérent pour l'ensemble des intervenants. Parce qu'au niveau de la chaîne de valeur, il y a les infrastructures, il y a également le transport de l'électricité, il y a le volet énergie renouvelable. Et un des objectifs de l'offre Maroc, de ce comité de pilotage, c'est à ce que ce cadre réglementaire qui régit toute la chaîne de valeur soit complémentaire, soit harmonisé pour faciliter l'acte d'investir dans les projets d'hydrogène. La cible aujourd'hui, ce sont vraiment des projets intégrés. Donc c'est des projets qui à la fois ont prévu tout le process que décrivait tout à l'heure mon collègue, donc l'amont qui est la production de l'électricité renouvelable, la production de l'hydrogène vert, et sa transformation dans les dérivés en fonction de l'acheteur, de la demande qui sera là pour le projet donné. On parle de cette décennie-là, de 2020-2030, comme une phase de démarrage, de triggering de ce marché. Et quand on parle de démarrage, ben il faut aussi beaucoup d'États. Beaucoup d'États stratèges doivent être dans l'équation. De players, de voilà. doueurs. C'est-à-dire ouais. comment on va stimuler l'offre et stimuler aussi la demande. On a bien souvent l'impression que quand il s'agit de montants aussi importants, que ce sont d'autres personnes qui vont le faire et qu'on va simplement le voir passer devant nous comme un train. Croyez-moi, tout le monde va monter dans le train. Toute l'économie marocaine va monter dans le train à toutes les échelles. الإطار التنظيمي اللي درنا لتحفيز هاد لإعطاء هاد الوعاء العقاري غادي يمكننا باش تكون عندنا واحد المرونة تجاه أولا تطور التكنولوجيا كيف ما قلت تطور الاقتصاد هاد الاقتصاد الأخضر وأيضا تطورات الجيوسياسية اللي كاينة في القطاع وأيضا الحفاظ طبعا على مصالح المملكة المغربية في هاد القطاع اللي هو جد تنافسي فاليوم كيف ما كتعرفوا كاين أكثر من 320 مليار جد دولار اللي هي معلنه في الاستثمارات في هذا القطاع ولكن جزء منها هي اللي غتوصل للاستثمار النهائي للقرار ديال الاستثمار النهائي. Il ne faut pas viser que le marché marocain, c'est-à-dire que il faut qu'on devienne à l'instar de ce qui se passe pour l'automobile et l'aéronautique qu'on ait un écosystème d'équipementier et le souhait c'est que ces équipementiers soient marocains et nous avons très honnêtement, la capacité de le faire. La stratégie bas carbone marocaine, avec l'offre hydrogène qui est un élément charnière de cette stratégie bas carbone, devrait pouvoir créer au moins 400 000 emplois à terme en 2050 et contribuer à plus de 5% du PIB national. Donc c'est vraiment une transformation complète que le Maroc est en train d'opérer et ça vient, comme je l'avais dit plus tôt, couronner plus de 3 décennies de travail dans l'attractivité de l'investissement privé dans ce secteur.